بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورحمة. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصلاتنا بأمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مصابيح هدى، اللهم اجعلنا من سفن السلامة، اللهم اجعلنا من خير من خلقت يا رب من الثقلين يا رب الأولين والآخرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour. Je vais vous citer un petit morceau du 36e psaume où il y a mention du châtiment des impies. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux, sans bien sûr des arrogants, des hautains. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, son injustice, pour assouvir sa haine. C'est vraiment les gens haineux. Et il, comme on dirait, il accuse les autres d'être des gens de haine. Comme maintenant les vrais musulmans sont caractérisés selon eux par la haine. C'est pas vrai. Nous, on n'a pas de haine contre les gens. On a la haine contre Satan. Si vous voulez être l'objet de notre haine, c'est que vous êtes sous le joug de Satan, ni plus ni moins. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont trompeuses, c'est-à-dire fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sa manque de sagesse. À faire le bien, ils ne veulent pas faire le bien, ils combattent le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal, mais il le crée et il le satisfait, et il est au service du mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, parce que c'est le nuage, Dieu le premier fidèle. Et nous, les vrais musulmans, nous sommes fidèles appartenant au Sakhalé. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme, et éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes, et les dynasties. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Les ailes, c'est, il faut toujours se méfier de ce mot-là. Parce que les anges, certains, les oiseaux, certains animaux comme les moustiques, comme les adèles, ont des ailes. Mais dire, rapporter qu'il y a des ailes pour Dieu, il y a des mains, c'est-à-dire qui évoque le pouvoir. Les ailes, peut-être ça évoque sa protection, sa bénédiction. Donc il faut bien étudier ce mot-là. Tes jugements sont comme le grand abîme, c'est-à-dire tellement plus en anglais, où il y a une sensation de danger, parce que c'est son jugement, il est. Il coupe tout, il fait la différence entre le bien et le mal, les gens du bien et les gens du mal. Donc, ils ont une grande impression sur le monde, que ce soit terrestre ou dans le delà. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Méfiez-vous du fils de l'homme parce que ça peut avoir un rapport dans l'inconscient des gens, surtout les chrétiens, qu'il y a le fils de Dieu, c'est-à-dire notre bien-aimé Jésus-Christ, que la paix de l'âge soit sur lui. Donc méfiez-vous de ces deux mots-là, le fils de l'homme. Il sera saisi de l'abondance de ta maison. Bon, c'est pas une maison, mais pour ta miséricorde,
grâce, etc. Il sera saisi de l'abondance de ta maison et tu les abreuves en au torrent du Tigris, car après, auprès de toi est la source de la vie. Vous voyez que ces rapports-là positifs ne sont pas à la merci des hautains, des agresseurs et des arabes. Vous voyez qu'il y a un aspect où il y a encore l'idée du tourment qui frappe les amis. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit, que le pied de l'orgueil ne maintienne pas. C'est un bon vœu qu'il est exaucé. Parce que celui qui dit ça, tout en étant croyant, il y a un seul Dieu qui nous rétribue comme il le faut, et sans limite, il est mort dans sa vie, c'est-à-dire Dieu a décidé que les gens qui sont des patients, qui sont constants, seront rétribués d'une façon illimitée. Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir, déjà tombe ceux qui commettent l'iniquité. Voilà, c'est presque fini. Déjà tombe ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire qu'ils sont injustes, ils sont renversés, c'est-à-dire après un moment de gloire, de force de gloire, ils seront après soumis à la volonté divine et ils seront vraiment tombés. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Et c'est Dieu qui a voulu ça. Jamais il y a de redressement pour les gens arrogants qui ne se reconnaissent pas les créatures de Dieu. Nous, les gens du Coran, nous sommes un moyen de vous mettre, comment dirais-je, devant la réalité pour bien choisir le chemin qui vous mène vers le salut. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.